RSIOF proche de la Ligue 2. En tout cas, un nul suffit à ces Yoffois d'être sacré dès ce soir champion et pourquoi pas champion de la poule. À la Jordana, un but, et voilà Liberty du score. Incroyable. La RS et sa déchaîne ici à Oumba Park. La RSIOF, la 65e minute, c'est l'ouverture du score sur une tête de son attaquant. En tout cas, la RSIOF ouvre le score ici, à Mont Parc, 1-0. C'est récupéré. Encore, oh là là, quelle mésentente. Cheikh Mbaye. En tout cas, le gosse, il est solide. Cheikh Mbaye, en tout cas, un jeune joueur qui assure la défense du Morel Lambao. Cheikh Mbaye. Alors, c'est vrai, Taï, match bi nga xamanteni ñu tam un point lañ soxla won, comme ñom, mais finalement, ñu ñak ko. Mais quand même, ñu reconnaître victoire aussi, ñi di RSIOF. Ah, d'accord, nous sommes un peu moins de 1 point. Vous avez les larmes aux yeux, coach. C'est vrai, émotion, oui. Maintenant, lol. Quel est le mot exactement? Le mot de Dieu, c'est-à-dire, il faut vraiment remercier la population de Yoff d'abord. Parce que l'équipe mettait dans l'ordre. Début compliqué, mais je suis correct. Gars andak man gëm ko jëlé na ko fu sori. C'est pas la victoire d'aujourd'hui, parcours bi mo djoylo, parce que c'est pas évident. Lo sati, c'est des joueurs qui n'ont jamais joué pratiquement le championnat. Il y a quelques cadres. Vraiment. On est fiers. Les jeunes, ils ont compris. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas évident. 10 ans d'absence sur la ligue professionnelle. Il y a le Dimbele là. À 2 ans et demi, ce n'est pas du tout évident. Et il faut vraiment remercier la population, toute la population de Yoff, le président Ndiamé. Et les joueurs aussi, ils ont beaucoup bossé. Ça a été compliqué, mais aujourd'hui on dit Alhamdulillah. Ouais. Merci. Ah, Mohamed Kotchandoum, Taï, Yang Chiswar, Nek capitaine RSIOF, après 10 ans de galère, il y a Ligue 2. Qu'est-ce que tu as dit? Salam alaikum. Je suis Chiar. Je suis content, vraiment. Parce que maintenant, on a fait un niveau. Ligue 1, Ligue 2. Ce qui est important, c'est que pour moi, je dirais que Ligue amateur est une Ligue professionnelle. Vraiment, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
vraiment dalay wone li rek football lanen luddul sa deuk mette bi mu la mëna jox mëno xam sax parce que da ngay gis say yaay say rako say mbokk et tout vraiment content na alors ban journée ngeen xamone ñun pourquoi pas mën nañ dem championnat wala depuis le début championnat da ngeen fixé won ñun dañuy joggé national 1 pour dem ligue wa man mom depuis daw la fi ñëwone quoi sama projet mo nekkone ñu défarat pour yégal équipe bi mais cette année-ci biñ démé ba 3e journée ñu téglé 3 victoires d'affilée encaissé wuñu ci lañ xamné warna mëna nekk quoi parce que équipe baangi fi en plus de ça journée biñ mujjé def contre Rai moy journée bi di ñëw bi ñuy def ni face aller journée biñ mujjé def la gëna gëm né sax monté bi warna mëna nekk quoi parce que depuis dès 5e journée ñu ngi jël première ba légui ni ben yon lañ ci wacc yon moy buñu liste na doré après lañ nekkat ci kawam bobu légui ni franchement mérite le quoi. Alors noy wax sen supporter yof yi tay gis ni mobiliser vraiment d'une façon extraordinaire wa yof xam nga bo gisé li mo lay wone dañ bok ci football du Sénégal parce que mobilisation bi ni football du Sénégal daf koy soxlo quoi vraiment mu nek équipe bo xamanteni ni équipe bu village dañ bëgg équipe bi mais tant que équipe bi amul ay victoire affaire yoy parce que ñom loolu lañ xam li lañ xam quoi vraiment di wajal suñu match bi di ñew contre Rai après di wax suñu finale bi contre ñaar tali di wax ne li professionnel ñu ngi ñew quoi inshallah.